بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسيخين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي، كذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا منكم وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس، أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد من الدروس. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع، وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours, comme d'habitude, très 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 bien. Vous connaissez bien que ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est de vous présenter la correction des exercices que je vous ai présentés hier. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Orthographe, 6e année enseignement primaire, grand 1, orthographe. Alors, nous avons grand 1, orthographe. Ce, adjectif démonstratif, ce, pronom réfléchi, ce, pronom démonstratif, S apostrophe, pronom réfléchi, devant une voyelle, c'est un adjectif démonstratif devant E, devant une voyelle. Alors, premièrement, je complète par l'adjectif démonstratif ce et par ou bien ce. Ce adjectif démonstratif se place devant un nom masculin singulier et ce se place devant un verbe pronominal à la troisième personne du singulier. Il se. Voilà. Alors, nous avons ce bel appartement. Alors ici, on va montrer avec le doigt l'appartement. L'appartement, c'est un nom masculin singulier. Donc, c'est un nom. Donc, je vais mettre l'adjectif démonstratif et non pas le pronom réfléchi. Le pronom réfléchi se place devant le verbe. Donc, c'est un, on dit, ce bel appartement. C'est un adjectif démonstratif. Et ensoleillé et bien situé. Donc, voilà. Notre maison, nous avons trouve, c'est un verbe. Donc, je mets le pronom. Notre maison se trouve dans un quartier très bruyant. Très bruyant. Petit garçon. Alors, petit, c'est un adjectif démonstratif. Il donne des précisions sur le garçon. Le garçon, il est petit. Donc, garçon, c'est un nom masculin. Donc, je mets l'adjectif démonstratif. Ce petit garçon, nous avons ici un verbe. On écrit se lève. La troisième personne du singulier. Se lève, c'est le verbe se lever. C'est un verbe pronominal. Toujours tôt. Il. Voilà notre verbe pronominal. Se laver. Il se lave. Il se lave. Hein, avant de se mettre à table, avant de se mettre. Ici, le verbe, il est à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'une préposition. Après une préposition, le verbe ne se conjugue jamais. Il se met à l'infini, à l'infinitif. Bon, voilà le premier exercice. Deuxièmement, lit. C'est le verbe lire à l'impératif. Et complète, c'est le verbe compléter à l'impératif. Donc, ce sont des ordres ici. Lit et complète avec C apostrophe, l'adjectif démonstratif. Et si apostrophe, le pronom. Hein, le pronom. Alors, ce matin, Ali, nous avons s'élevé. Nous avons ici le passé composé. Le passé composé du verbe se lever. Donc, on va écrire le pronom s'élevé. Il s'est levé. Hein, il s'est levé tôt. Ben, c'est-il. Nous avons l'inversion du sujet. C'est-il. Il s'est. Pourquoi? Pour poser la question. S'est-il lavé? Voilà le participe passé. S'est-il lavé avant de se mettre à table? S'est-il lavé avant de se mettre à table? Je ne sais pas. C'est toi. C'est toi. Donc ici, c'est un adjectif démonstratif. Ce est. Ce est. C'est toi qui étais présent. C'est toi qui étais présent.
Ce n'est pas moi, c'est toi qui étais présent. Voilà le deuxième exercice. Troisièmement, écrit au singulier. Écrit, c'est le verbe écrire, un impératif. En ordre, écrit au singulier les phrases qui sont dans notre tableau. Donc, je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Bien, je termine l'explication. Alors, je mets au singulier. Ces garçons se sont rendus à la gare. Alors, ces garçons, c'est un adjectif démonstratif au pluriel. Le singulier, ce. Garçons sans S. Ce sont, c'est le passé composé des verbes se rendre à la troisième personne du pluriel. Se sont rendus. Alors, à la troisième personne du singulier, c'est rendu. Hein? Je me suis rendu, tu t'es rendu et c'est rendu à la gare. Voilà le singulier. Ce sont, alors ce sont, c'est le pluriel. Hein? Ce sont, alors ça veut dire pour une seule personne, ce sont des garçons, c'est un garçon. Ce sont des garçons, c'est un garçon qui s'est rendu. Le passé composé du verbe se rendre, du verbe se rendre à la troisième personne du singulier, à la gare. Ce sont, c'est, eux, lui. C'est lui qui s'est levé. C'est lui qui s'est levé. C'est le verbe se lever. Oh, c'est un verbe pronominal au passé composé. Et il s'est levé le premier. Il s'est qada l'awel. Voilà le troisième exercice. Je passe maintenant à la grammaire. Alors, l'exercice concernant la grammaire, c'est l'adjectif. Ça veut dire l'accord de l'adjectif avec le nom auquel il se rapporte. Adjectif qualificatif. Je relis, ou bien relis à l'impératif, le nom à l'adjectif qui lui convient. Nous avons une voiture, il est rapide. Nous avons un quartier, il est calme. Et nous avons une rue, il est bruyante. Et nous avons une jupe, il est courte. Donc, à chaque nom correspond un adjectif qui donne des précisions sur le nom. Deuxièmement, mais au féminin. Mais au féminin. Donc, nous avons il dit phrase au singulier, au masculin, on va les transmettre au féminin. Un garçon curieux. Alors, le féminin d'un garçon, on a remplacé un garçon par une fille. Alors, curieux, quel est le féminin de curieux? Curieuse. Curieuse. Donc, voilà le féminin d'un garçon curieux, l'adjectif curieuse. L'adjectif que curieuse. Je termine l'explication. Alors, un climat sec. Alors, le féminin de 1, c'est une. Climat, on a remplacé climat, c'est un nom masculin singulier. On a remplacé par une région, le féminin, une région. Alors, le féminin de sec, c'est sèche. Sèche, il y a bien ça. Un temps ensoleillé, un temps, c'est un nom masculin, ensoleillé, accent. Alors, on a remplacé un temps par une journée, le féminin. Comment est la journée? Il est ensoleillé, E accent, E, en marque de féminin. Un quartier calme. Alors, on a remplacé un quartier, c'est un nom masculin, singulier, par une ville. Calme, il reste invariable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il se termine par E. On ne peut pas ajouter un autre E. Un beau tableau. Le féminin de 1, c'est une. Beau, bel tableau, on a remplacé par image. Une belle image. Une belle image. Écrit au pluriel. Un garçon heureux. Un garçon, c'est un nom masculin singulier. Le pluriel, c'est des garçons. Comment sont les garçons? Heureux. Donc, avec X, il reste invariable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Un vieux chien. Un vieux. Le pluriel, ce sont des vieux. Des vieux chiens. Avec S. On ajoute S. Vieux avec X, il ne change pas. Un chat gris. Des chats gris. Gris, il ne change pas. Il se termine par S. Le pluriel, c'est S. Un problème faux, des problèmes faux, faux avec X, il ne change pas, des problèmes avec S. Une large, une route large, des routes avec au pluriel S, large avec S, c'est un adjectif. Il s'accorde avec le nom, pourquoi? Parce qu'il est au féminin pluriel. Voilà, voilà la fin de notre leçon, voilà la correction des exercices. J'espère que vous avez bien suivi avec moi les explications ou bien la correction. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.